Bienvenue à Nukui. Encore une fois, nous trouvons que de manger la case avec Sunita Albert. Comme d'habitude, il présente nous un plat vraiment original et très simple qui est aussi capable de réaliser. Bonjour Sunita. Bonjour Diane. Alors, une surprise aujourd'hui, c'est oui. Sa plat qui vous a pris oui. Pendant un concours culinaire qui vous paie partage avec nos téléspectateurs. Bien sûr, ça fait vraiment un grand plaisir. Pour partage un bon souvenir de ma vie, de mon carrière. Et qui, avec un, après une longue lutte, je fais une récit de deux prix. Un le meilleur best starter, un poisson confit au combava, qui me donne le plaisir pour partage avec tout le monde amateur, tout le monde amoureux de nous, la cuisine. Et puis, je fais une longue recherche. Et souvent, des fois, quand je passe dans ma voiture, je trouve un bateau mouroum qui peut laisser à l'abandon. Qui me trouvait ici à Rodrigue, nous va pas bien, nous va pas servir comme bizarre. Donc, moi, mon fait, je suis habitué à manger depuis l'enfance. Mais moi-même, moi, je vais servir dans la cuisine. Je pensais pourquoi pas. Là, je suis allé au bateau mouroum. Je suis sorti une tirée d'eau là. Mais c'est aussi un bon un plat extraordinaire. Et comme d'habitude, ne pas oublier nos végétariens. Un plat végétarien et un plat non végétarien. Aussi, donc, bâton rhum et pommes de terre. Et pommes de terre. Nous vous faisons un curry à l'indienne. Et nous avons différents plats. Mais nous avons fait un bâton rhum pour cause de là après. Mais nous montrer quelque chose qui est très facile. D'accord. Et bâton mouroum, comme on le connaît, a beaucoup de vertus. Oui. Et aujourd'hui, nous avons découvert qu'il lutte aussi contre le cancer. Oui. Et donc, il a beaucoup de vitamines aussi. Beaucoup de vitamines, mais nous devons chercher ce qui n'est pas trop plein, pas trop tendre. D'accord. Parce que ça, c'est juste pour cuire. Vous allez nettoyer, ou bouillir, mais ou couper ou cuire ensemble avec ce pomme de terre, de ce curry, doucement, fait doux, c'est extraordinaire. D'accord. Et donc, Sunita, pourquoi nous commencer? Bon, pour nous commencer par nous battre nous-mêmes, nous laisser cuire en attendant qu'ils nous préparent nos poissons. Et pour pomme de terre, c'est facile. On prend une seule pomme de terre qui est taillée en cube. Et une astuce pour les ménagères, nous ne pas laisser nos pommes de terre dans le bol. Nous laissons dans de l'eau, un petit peu de l'eau du sel. Couvrir de l'eau, vous trouvez, on fait ça depuis le matin, très tôt. Il y a encore pareil. Je n'ai pas vu noir. Il pas vu noir. Pas oxydé. Voilà. Et pour une maman qui fait tips pour les enfants, vous taillez rond. Ou mettre dans de l'eau ou mettre dans de l'eau glacée ou suivre sec ou frire les comme un tips les vins croquant ouais. Ça pour mettre dans du pain pour les enfants à l'école un nouveau assist nous donne maman ok mais là nous taille nous laissons dans de l'eau un petit peu de sel on laisse pour les prendre qui dit comme ça on taille en petits cubes maintenant nous battons rhum mais on taille comme ça. Il est important qu'il nous montre aussi. Oui. Nous enlève ça. Nous enlève ça, ben, la peau qui est dedans là. Quand tu es là. Pour ben, je qui s'amène. Oui. Il prépare le bâton mouroum. Oui. Et moi, je trouve qu'il même tu besoin vendre de bazar. Parce que nous trouvons dans Maurice de faire un petit lot. Mais du monde qui n'a pas gagné, il peut gagner de bazar au marché. Et sinon, ce n'est comme on le connaît, bread mouroum peut gagner de plus en plus de valeur. Oui. Ce bread, ce feuille qui nous peut faire du thé maintenant, moringati. Oui. Et soit beaucoup malade. Oui. Maladie. Et donc, bâton là aussi, il a autant de vertus. Oui. Et sinon, si un jumon a envie justement bénéficier de sa main de vertu de bâton mouroum là, qui prend différents plats, il est capable de faire. Bon, longtemps quand je suis petite, ma grand-mère qui me dit mon daddy, mon ami, mon grand-mère maternelle, je peux cuire dans la dalle et je peux mettre ça bâton mouroum là, cuire ensemble un peu dans la dalle. Nous disons dalle. Là, nous mangeons ça dans le bouillon poisson. Et il y a aussi bon. Et le curry poisson. Oui, le curry poisson. Et là, nous pouvons faire un plat principal, là, pour les végétariens. Mais on ne peut pas faire encore. On peut ajouter dans le bâton mouroum, on peut ajouter carottes.
mettre carottes, mettre plus de légumes. Oui, tu as mis haricots verts aussi. Oui, haricots verts, carottes. Ou il y a plus de légumes et ou faire les vinaigres la sauce, ou mettre les cocos tout à la dernière cuisson. Et nous pouvons mettre là-dedans aussi, comment nous ne pouvons pas mettre. Et là, nous accompagnons ça avec quoi? Ben, une chapati, du riz, une farata, un petit pourri. Pourquoi pas? Voilà, vous trouvez une chèque, tout ça là. Voilà. Je veux dire, là, ben, je vais trouver comment nous nettoyer. Oui. Là, nous pouvons tailler. Donc, tailler. Voilà. Tailler de sa longueur, là, il est bon. Il y a un petit lagre pour gagner qui est ou laisse là-dedans. Voilà. Bon, ce qu'il m'a pour faire, je vais mettre mon bâton moron dans mon pomme de terre. Je vais sauter un petit peu avant et puis je vais mettre ces épices et je vais laisser cuire. D'accord. Sunita, nos pommes de terre, nos bâtons morons sont prêts pour passer à la cuisson. Et maintenant, qui nous met là? Donc, nous finissons nos pommes de terre, nos bâtons morons et nous faisons tilani en grain. Tout en grain, nous pouvons aller là. Hein? Tout en grain. Tilani, moutarde en grain, l'ail, gingembre, feuilles, carré poulet émincé, oignon. Et de l'huile, bien sûr, un peu de cotomili, un peu de safran et masala, c'est qui est non? Et puis, moi, je vais prendre un petit peu de métis, juste pour gagner le parfait. Voilà. Pour commencer, je vais mettre mon moutarde en grain. Voilà. Mon tilani. Mon carré poulet émincé. Mon poulet si développe sa saveur là, un petit peu métis. Revenir un petit peu dans de l'huile. Vous trouvez mon pan métis trop fort. Mon laisse briller un petit peu. Il développe sa saveur. Et puis, je peux mettre mon lait de gingembre. Au début, je vais mettre un petit peu de safran. Et ça, ça fait un Rodrigue là, je vais laisser griller un petit peu. Ok. Et nous pouvons mettre nous, bâton moron, et nous pouvons les faire. Voilà. Voilà. Là, on va mettre du sel. Vous pouvez laisser saisir un petit peu. Pour ça, nous faisons un sacré manga de limon. Nous avons mangue aussi, nous avons ananas. Mais nous vous servons du limon parce qu'il est plus disponible. Maintenant, nous vous mettons un petit peu de l'huile d'olive. Pas beaucoup. Nous mettons un petit peu de la grammétique. Pas beaucoup. C'est pas quantité vous pouvez faire, mais nous ne pouvons pas faire beaucoup. Un petit peu de oignon émincé. Carré poulet. Un petit peu d'ail. Pas gingembre, mais l'ail. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ok, ça veut dire ça. Pour suéli, on appelle ça.
Voilà. Et puis, nous vous mettons nous limon. Nous laissons ça là sauter un petit peu. Vous rappelez-vous, vous avez la métis, oignon, l'ail et cariflé. Quand tout le temps commence à dorer, mais là, vous mettez au limon. Voilà. Mettez un petit peu de sweet chili sauce. Ça veut dire qu'il y a un côté aigre doux, un petit piment. Voilà. Et le limon là, il finit confit. Vous êtes capable de hacher avec une cuillère même. Voilà. Il vient comme une compote. C'est ça même qui finit vraiment peut-être gagner mon prix. Parce que je vais valoriser un produit comme aigre doux. Et quand vous faites une personne mange du poisson, et bien ça goûte le limon là, comme une entrée. Donc il est vraiment bon. Voilà. Voilà. Ça nous pour servir l'eau du poisson confit. À terre, nous pour mariner nos poissons, nous pour poêler juste. D'accord. Et puis, il faut laisser confit dans ce la sauce qu'il nous faut préparer. Mm-hmm. Là, nous pouvons servir jusqu'à 15 minutes. Il faut confier un petit peu, après ça, nous avons des poissons confits. D'accord. Et là, poisson, là, nous qui nous fait poisson là, nous le taillons en filet. Mm-hmm. Nous pouvons ajouter un petit peu de sel. Voilà. Un petit peu, pas beaucoup. Un petit peu de poivre. Voilà. Vous laissez et voilà. On peut bien aller. Vous laissez jusqu'à qui en attendant qu'il nous prépare nous la sauce. Voilà. Maintenant, nous faisons la sauce. Des huiles olives. Moi, il y a la poudre Combava. Mm-hmm. Combava peut commencer à gagner Rodrigue, il y a Péran, je connais. Mais nous nous servons Combava, nous avons l'occasion de gagner un petit peu Combava. Mm-hmm. Et Sauffeuille qui nous déshydrate et nous crase en poudre. D'accord, ça c'est Sauffeuille. Sauffeuille, oui. Ou sinon, si on a du menu dans Combava, même côté, il est capable. Oui, il peut mettre un peu de zeste de Combava. D'accord. Voilà. Et moi, je suis content de mettre un petit peu de persil. Je vais mettre un petit peu de sweet chili, sauce. Voilà. Mais elle n'est pas faux, elle a du sucre et un petit peu de tomate, oui, piment. Voilà. Maintenant, nous limon, pas oublier. C'est un vinaigre, c'est un justement comme si un vinaigre qui nous peut faire. Nous pouvons mettre du vinaigre balsamique qui est très bon. Oui, nous pouvons mettre un. Si on a deux poissons. Donc, jus un limon, ça suffit. Jus un limon, c'est bon pour ça, deux poissons là. Maintenant, nous pouvons mettre un petit peu de vinaigre de balsamique. Vinaigre de balsamique qui gagne. Voilà. Et un petit peu de poivre. Un petit peu de sucre. Un petit peu de sel, sorry. Maintenant, nous pouvons mélanger. Voilà. Vous avez un solide de carapel qui est dans sa marinade là. Il y a un combava. Il y a du sel. Du poivre. Nous avons sweet chili sauce, nous avons de l'huile d'olive,
jument balsamique. D'accord. Vinaigre de balsamique qui nous prépare ça nous garder. Nous pouvons juste poêler nos poissons. Nous pouvons laisser confit et là nous aussi. OK. Nous check nos bâtons rhum. Nous peser, vous trouvez votre pomme de terre cuit. Bien cuit, voilà. Maintenant, nous mettons un petit peu de tomate. Nous pouvons mettre un petit peu la poudre curry. C'est curry, non? Hein? Je ne veux pas dire que vous aimez absolument tellement. Moi, c'est qui m'a gagné mon travail. Voilà. Vous voyez, nous carrés pour cuire encore un petit peu encore. Nous laissons cuire de souvent des épices en grains. Toujours nous faisons goûter nos carrés, si nous manquons du sel ou non. Voilà. Et puis, en dernier lieu, nous mettons un peu de d'oignon et cotomini. Voilà. Et voilà. Donc, nous pas trop les si sec. Nous gagnons un petit peu la sauce sur lui. Et nous battons au remis. Nous pèsons l'écraser. Voilà. Nous laissons mijoter un 5 minutes encore. Nous mettons un petit peu de carré poulet encore. Nous couvrons pour 5 minutes et c'est prêt. Le poisson. Quand nous disons poêler, ce n'est pas cuit. Hein? Je grille un petit peu. Oui. Saisis-les des côtés. Poisson, une sauce. Là, nous confinons dans ce marinade. Voilà. Les six confits. C'est même l'appel de poisson confit. Voilà. Une 15 minutes. Mm-hmm. Là, au moment de servir, nous pouvons passer nos sacrés mangas au lit. Qu'une salade veille, nous pouvons servir. Et Sumita, alors là nous avons une plaine presque prête. Oui, nous pouvons faire nos poissons confits pendant 15 minutes. Oui. Nous pouvons faire un dressage. D'accord. Donc pour nos poissons, et là moi il y a une salade qui m'a préparée. Voilà. Une salade papaye et carottes. Mm-hmm. Maintenant pour poissons. Voilà. Et vous pouvez mettre mon limon. Mon sacré manga de limon. Voilà. Voilà. Et puis pour mon thali, mon curry. Et près de mon carré, bâton, mon rond, pomme de terre, une prêt. Voilà. Qui, mon finger, fait des trois petits pourris. Voilà. Merci beaucoup, Sunita. Merci, Diane. Présente-nous sa désolée l'assiette. Oui, c'est un plat vraiment intéressant et qui pas coûte beaucoup, qui au bout de tout le monde qui peut regarder nous ce soir. Et nous encourageons de essayer sa recette-là, de nous feedback. Nous la partage toute bonne recette d'antan.
Et donc, encore ben, les autres sites qui nous peuvent faire recherche, qui nous peuvent travailler. Et vous pouvez aller en temps et lieu. D'accord. Voilà, un poisson qui paraît bien appétissant. Oui. Ça a un changement hein, avec la façon qu'il nous cuit poisson tous les jours. Bouillon, carré, oui. L'adobe. Là, c'est un poisson confit. Un poisson confit au kombava. Au kombava. Au kombava. Et kombava peut prendre l'ampleur. Bon, espérer qu'il ne soit pas pour trop difficile pour Gali dans les avenirs. Parce que du monde peut prendre conscience de ce produit-là. Et ce zeste, ce fruit, vous pensez, ben, le Rodriguier peut commencer à se planter bien. Et nous espérons nous gagner pour nous développer nous, la cuisine à Rodrigue. Et surtout, Baton Mouroum qui nous valorise aujourd'hui. Oui. Nous espérons être capable de réaliser sa recette très simple. Oui, et nous attendons qui samedi prochain pour gagner au marché de Rodrigue parce qu'il est vraiment difficile pour trouver. Et un kilo, si nous gagnons, ben, nous avons ces recettes-là. Et qu'il est vraiment bon. Bon appétit!